Salut à tous, c'est Anders. Bah écoutez, je fais cette petite vidéo pour vous présenter ma dernière acquisition, le Badger V4. Donc en fait, c'est une carte PCB avec un Arduino mini dessus. Vous avez aussi un port SD pour stocker des données, enfin micro SD pour stocker des données. Pour mettre une pile bouton afin de l'alimenter, vous avez aussi un connecteur jack, un connecteur micro USB, un connecteur d'alimentation. Vous avez sur le devant des boutons, le bouton reset, votre écran qui affiche que vous voulez afficher dessus. Voilà. Donc c'est fin, c'est petit, c'est plat, c'est très pratique. Dans l'article sur le site, je vous montre comment le connecter, comment envoyer votre code dessus pour afficher ce que vous voulez. Je vous donne les liens pour les librairies aussi. Et puis, bah écoutez, je peux vous montrer un petit exemple de moi ce que j'en ai fait. Donc, alors, si je vais rechercher, hop, tac, tac, il est là, voilà, que je l'upload. Voilà, donc c'est normal que l'écran soit noir, étant donné que je l'upload, que j'upload un code dessus. De toute façon, vous verrez dans la description de la vidéo, il y a des liens vers l'article sur mon site. N'hésitez pas à partager, c'est quand même assez agréable. Et moi, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà. Donc, en temps normal, vous avez juste ces informations qui tournent. Si je décide d'appuyer sur le bouton mode, hop hop hop, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, tout simplement, normalement, ça va m'afficher une petite carte que j'ai préparée personnelle. Voilà. Si j'appuie sur le bouton up, je vais faire un peu de pub et la personne se reconnaîtra. Alors, par contre, vous attendez pas non plus à des vitesses extraordinaires. Hein. C'est un Arduino Pro Mini. Il n'y a pas énormément de puissance sous le capot. Voilà. Ça, c'est pour faire un peu de pub. Ensuite, si j'appuie sur le bouton down, ça va m'afficher une photo, comme vous avez pu le voir sur le premier écran. Et le dernier bouton, c'est en fait une fonction quand je suis au travail. Donc, je suis désolé, je vais être obligé de casser la moitié de l'écran. Il y a des numéros de téléphone dessus, ainsi que mon numéro de sécurité sociale. Mais voilà, ça vous permet par exemple quand vous êtes au travail d'avoir un badge, si vous arrive quelque chose, vous avez au moins votre groupe sanguin, que vous n'avez pas d'allergie, si vous êtes comme moi, qu'on peut vous donner tout type de médicaments et bien entendu on vos dépendances malheureusement. Voilà, je suis dépendant au tabac. En dessous, moi j'ai mis les numéros des personnes à prévenir et mon numéro de sécurité sociale. Je peux pas vous les montrer pour des raisons évidentes, mais ça permet d'avoir un. Si vous n'avez pas votre portefeuille ou si vous ne l'avez pas avec vous quand il vous arrive quelque chose, si vous avez ça autour du cou, on peut quand même savoir qui vous êtes assez facilement. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, passez sur le site pour voir l'article. Et puis, ben, de toute façon. Ah, bah d'ailleurs, attendez, ne bougez pas. Hop là. Et puis, ben, de toute façon, je ne m'inquiète pas, je vous referai bien d'autres vidéos. Voilà. Je vous referai bien d'autres vidéos pour vous faire découvrir encore un peu d'électronique. Voilà. Allez, salut.